50, on se retrouve pour une vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Donc je vous montrerai comment avoir de l'argent rapidement et facilement, donc via une petite application qui s'appelle Cheat Engine 6.8.2. Donc ça, vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la description tout ce qu'il faudrait pour pouvoir installer le mod, pas le mod, mais pour avoir transféré de l'argent, voilà. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc ça sera une petite astuce pour avoir de l'argent avec ce petit logiciel. Donc c'est très simple d'utilisation. Donc tout d'abord, là, vous êtes dans le menu du système, il faudra avoir le jeu lancé. Donc moi, c'était pour ça que j'ai mis en petite fenêtre pour pouvoir voir comment ça marche. Vous allez voir, c'est très simple. Donc le petit truc, c'est très simple, vous allez voir. Donc là, vous avez une petite icône en haut à gauche, donc qui clignote, c'est pour lancer votre jeu. Donc l'associer à votre jeu. Donc Euro Truck Simulator, donc faites open. Voilà. Et là, il va falloir rentrer l'argent. Donc là, franchement, il l'a quitté, donc c'est un peu con. Donc du coup, il faudra que je fasse ça pour pouvoir quitter le jeu. Voilà, pour avoir accès à mon bureau. Donc là, je suis à 2 461 553. Donc là, vous rentrez votre argent. Donc 2 461 553. Et vous faites Firk Scan. Voilà. Là, ça scanne. Vous avez plusieurs valeurs. Donc là, vous avez une liste complète. Donc pour diminuer la valeur, vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir faire une petite argent. Donc avoir de l'argent. Donc modifier votre argent de base. Voilà. Donc là, vous faites par exemple banque. Donc sinon, il faudra faire une contravention, un accident pour avoir diminué. Mais le plus simple, c'est prendre un crédit de 10 000. Vous faites oui. Là, votre crédit a été effectué. Donc, vous voyez que ma somme a augmenté. Du coup, j'ai plus d'argent maintenant. Donc du coup, je requitte. Je peux pas y aller directement. Enfin, je peux pas y aller comme ça. Je vais te quitter à chaque fois, c'est un peu débile. Donc là, je requitte. Voilà. Donc là, je suis bien dans le menu de Windows. Donc du coup, là, vous modifiez. Donc là, vous modifiez votre argent. 2 471 553. Voilà. Et vous faites Next Scan. Donc là, vous avez une fenêtre et il ne vous reste plus que un. Vous cliquez dessus. Et là, vous modifiez votre argent que vous voulez. Donc là, on va dire, je vais arrondir. On va dire, je veux 2 500 000. Pour pas être abusé. Parce que moi, je me sers vraiment pas. Je me suis pas servi de cette astuce. Vraiment, pour être riche, c'est vraiment parce que bah, quand j'ai commencé le jeu, j'avais un camion, etc. Après, j'ai voulu acheter ma remorque, ça m'a coûté un certain prix. Du coup, j'ai dû prendre des crédits. Et là, j'en avais un peu marre parce que le problème, c'est que je gagnais, par exemple, là, j'ai une course qui me rapporte 32 000 euros. Mais le problème, c'est que bah, chaque jour, donc là, ça va bien me rapporter mes 32 000, mais sur les 32 000, je vais avoir 8 000 euros d'intérêt de crédit à enlever. Donc, je me suis dit, ouais, j'en ai marre, j'ai envie de jouer un petit peu sans crédit. Du coup, je me suis peut-être trouvé une petite astuce pour pouvoir gagner un peu d'argent et modifier l'argent. Donc voilà, je vais mettre 2 millions. Vous voyez, je suis bien à 2 047 000. J'ai 2 500 000. Donc là, 200, 2 500, 25 000, 250 000, 2 500. Donc là, vous faites OK. Et vous retournez dans le jeu. Vous faites... Là, je vais sauvegarder, du coup. Donc là, je vais sauvegarder. Sauvegarder pour être sûr que ça marche. Pour avoir la sauvegarde, du coup, je vais sauvegarder sur celle-là. Ok. Là, vous quittez le jeu, vous quittez le profil. Et quand vous allez revenir, ah bah là, ça s'est mis, du coup. J'ai oublié de... Hop, je fais continuer. Et vous allez voir, du coup, j'ai bien mes 2 500 000 qui s'est rajouté. Donc là, c'est normal que ça modifie. Hein. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai bien mes 2 500 000. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Donc je ne vais pas vous remontrer la méthode, je vais juste vous expliquer en gros comment faire pour ceux qui n'auraient pas très bien compris. Donc là, je vais requitter. Donc là, vous avez le scan. Donc next scan, c'est pour mettre votre argent que vous avez. Donc là, je mets 2 500 000. Je peux vous refaire un exemple si vous voulez. Hein. Comme ça, ce serait plus simple. Donc là, je vais mettre... Là, j'ai 2 500 000. Donc 2 millions, hop. 6-0. Voilà, donc c'est bien ça, hein. 25, 250, 2000, 25 000, 250 000, 2 500 000. Donc voilà, et vous faites next scan, Firk Scan, voilà. Donc là, ça scan, vous avez plusieurs valeurs, donc là, pareil, vous retournez dans le jeu, vous faites banque pour reprendre un crédit. Voilà, hop, ça vous reprend un crédit, moi je m'en fous, je vais supprimer juste après, hein. C'est pas grave, hein. Vous faites, hop, vous avez modifié votre argent, vous retournez dans le jeu. Donc, je me dépêche. Voilà, hop. Là, vous faites
2 510 000. Donc là, vous mettez 510 000. Donc c'est juste... non, c'est pas ça. C'est pas ici. 510 000, voilà. Voilà. Ah non, c'est même pas ça. 5 000. Ah mais il y a un zéro en trop là, c'est bizarre. Je vais rentrer quand même, parce que là... Je vais mettre la même somme qu'il met. Là j'ai 4 zéros, c'est d'être ça. Ouais. 2 510 000, voilà. Donc vous faites next scan. Donc là il y en a deux, vous prenez n'importe lequel. Vous les prenez tous. Vous en prenez n'importe lequel, mais au pire, il y a pas de... ça a pas vraiment d'importance. Donc vous modifiez celui-là, hop. Et là par exemple on va dire je vais prendre on va dire 530 000, je vais mettre comme ça, je vais modifier mes crédits, je vais pouvoir les revendre. Ok, hop. Donc là vous retournez dans le jeu. Vous faites sauvegarder. Option. Donc là, excusez-moi, je suis en train de me tromper. Sauvegarder. Que je sauvegarde quand même. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai 2 530 000. Et du coup, je vais prendre. Bah, du coup, ce que je vais faire, je vais rembourser mes crédits. Comme ça, je vais être tranquille. Rembourser. Rembourser. Et je suis reparti à ma somme initiale. 2 510 000. Voilà. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous mets dans la description tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cette méthode. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est le bail. Portez-vous bien. Peace.